Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein. Allez, à ce soir. Je m'en vais au Mali, à Bamako, le 15 juillet. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, d'aller au Mali. En fait, j'ai des gens autour de moi qui sont un petit peu dans les hautes sphères. En fait, je t'explique. J'ai un ami qui est à Genève, qui me propose. Alors moi, je lui dis la même chose que toi. T'inquiète, moi aussi, je lis tout ce que tu lis, Maurice. Il me dit, de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Où j'habite? Il n'y a rien à voir. Donc, je vais partir au Mali. Le tourisme au Mali est formellement déconseillé. Il est recommandé à nos compatriotes résidant sur place de faire preuve de la plus extrême vigilance, de se tenir informé de l'évolution de la situation et de respecter les consignes de sécurité de l'ambassade. La vie, c'est une grande pièce de théâtre, ok? N'oublie jamais ça. Je vais pas quelque part où, pour me faire couper la tête, quoi, tu vois? Bah si, tu vas dans un endroit où on enlève les ressortissants français. Il n'avait plus donné signe de vie depuis plus d'un mois. Le journaliste Olivier Dubois, dans une vidéo de 21 secondes, il explique avoir été enlevé le 8 avril dernier dans le nord du Mali. La vie, c'est une grande pièce de théâtre. C'est le jour de mariage. Maurice Radio Libre, c'est bizarre.